Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On dit quoi, la China popularia? C'est comme ça que Arafat vous appelle, non? Oh, vraiment, c'est compliqué avec vous, les amis. C'est vraiment compliqué avec vous. Franchement, ce que moi, je dois vous reconnaître, c'est que sur les réseaux sociaux, seulement, là, vraiment, il n'y a pas deux fans comme vous. Il n'y a pas deux fans comme vous. C'est votre engouement que vous avez sur les réseaux sociaux. Si vous pouviez avoir ça dans les achats d'album, franchement, DJ Arafat serait peut-être l'artiste le plus vendu dans le monde, quoi, parce que vous êtes en tas même. Ah, donc votre artiste là-haut, il a raison, il a tort, vous êtes à lui. On ment sur lui, on dit la vérité sur lui, vous êtes à lui. Ciao, ciao. Les amis, c'est pas comme ça, faut pas exagérer. Nous tous, on est fans d'artistes ici, mais on fait pas comme vous. Aïe! Ou bien, DJ Arafat est devenu Dieu. Vous ne direz pas que DJ Arafat est votre Dieu quand même, même s'il s'appelle Buri Sama, le Dieu de la destruction. Hein? On vous sort certaines vérités pour vous motiver, à acheter l'album de votre artiste. Vous êtes fâché? J'ai incité DJ Arafat? Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien de mal. J'ai dit que la vérité. Voilà. Les amis, arrêtez de blaguer les gens. Je n'ai pas dit dans ma vidéo d'hier que l'album de DJ Arafat ne s'achète pas. J'ai juste révélé certains dysfonctionnements, certaines ambiguïtés. Voilà. Tu ne peux pas être deuxième pendant une semaine. Quand on parle d'une semaine, c'est la semaine du 28 au 4 janvier. C'est ce qui fait une semaine. Sur iTunes France et sur d'autres formes, plateformes payantes. Et puis le SNEP, qui est le syndicat national de l'édition phonographique, qui est en activité depuis 1922, qui défend l'industrie de la musique française. Là. Va faire son classement et puis tu n'es pas détend. Je n'ai pas dit les 200 albums les plus vendus. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les 200 albums les plus vendus de la première semaine du mois, pour ne pas dire du mois, oui, du mois de janvier 2019. C'est ce que j'ai dit. Donc, pourquoi vous êtes fâchés? Hein, les amis, pourquoi vous êtes fâchés? Il n'y a pas palabre, il n'y a pas le feu. Moi, il veut que vous vous fâchiez et que vous achetez massivement l'album. Voilà. Ceux qui ne sont pas fans, béni oui, qui ne sont pas fans, gamés pour rien, là, savent très bien que Erito a raison. Voilà. Moi, je vous incite simplement à acheter l'album de votre artiste. Hein. Je ne fais rien d'autre que ça. Donc, famille, ne vous emballez pas. Hein? Et puis, rêvez moins, rêvez moins. DJ Arafat aura bel et bien son Dixtor. Mais maniez-vous. Bougez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Ne bavadez pas pour bavader. Le mec, on va dire, le premier soir que son album est sorti, tellement que ça a bougé sur iTunes, il était en jaillet. On va dire 3 ou 4 jours après son concert, qu'elle a fini son concert, il a fait un direct comme quoi, ah les amis, c'est vrai d'acheter l'album physique, mais il faut acheter aussi sur iTunes et sur Spotify, Deezer et consorts. C'est ce que je vais vous répéter en vous dévoyant la liste des 200 albums les plus vendus de la première semaine du mois de janvier. Je n'ai rien dit que ça. Hein, ne vous fâchez pas, voilà. Et puis ce que je vais vous dire là, je peux décider de faire des vidéos tous les jours du 1er au 31 du mois sur DJ Arafat. Et c'est un artiste ivoirien. Voilà, c'est pas votre artiste, vous seul. Voilà, je parle aux fans béni oui oui là. C'est pas tous les fans de DJ Arafat qui sont en train de parler. Voilà, c'est pas tous les fans de DJ Arafat qui sont en train de parler. Aux fans béni oui oui là, qui ne réfléchissent pas avant de parler là, c'est à vous que je m'adresse. Hein les amis, je n'ai rien dit de mal. Si c'est ça qui vous fait mal là, je répète encore. Les 200 albums les plus vendus du 1er mois de janvier 2019, DJ Arafat n'est pas dedans. On me dit, jusqu'au soir de ma vidéo, il est devenu combien là?
c'est qu'un sixième tout album confondu et cinquième album R&B. Voilà, vraiment. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Quel était ce deuxième sur iTunes? Vous avez vu quelqu'un contester ça? Vous avez vu, on a discuté ça? Mais quand on sort une information qui ne vous arrange pas, vous êtes fâché. Arrêtez. Voilà, arrêtez. C'est comme on a fait là. Moi, je n'ai pas trop parlé. La vidéo, il vous disait d'aller acheter sur les plateformes payantes là. Il aimait ça après cette vidéo là. Vous allez écouter encore. Voilà. Parlez pas pour ne rien dire. Voilà. Les vrais hypocrites, c'est vous. Vous bavadez sur internet, mais vous n'achetez pas. C'est cette vérité là qui vous fait mal, que vous n'acceptez pas. Mais c'est la triste réalité. Arrêtez de bavader, hein. Voilà. Les injures, on est habitué à ça. On s'en fout à la limite. Donc changez la donne. Si vous ne pouvez pas changer les mentalités, ça c'est vous, c'est à votre niveau. Mais il y a certains qui sont échangés de mentalité. Et je les salue au passage. Voilà. C'est mieux dire, la famille va vous parler encore. Vous allez écouter encore la vidéo. Puis vous allez comprendre ce que j'en ai dit. Voilà. Arrêtez de bavader. Achetez l'album. C'est ce que je vous demande. Voilà. J'ai pris cet argument là pour vous dire que ce que je dis là, c'est pas faux. Quand on parle là, écoutez la vidéo. Écoutez le français qu'on parle. Il ne peut pas parler en chinois. Même si vous êtes chinois. Je ne suis pas anglophone. Hein? Et puis sachez que DJ Rafat n'est pas un saint. Il n'est pas Dieu. Il a tant de qualités et aussi des défauts. Voilà, ça doit être clair dans votre tête. Vous bavadez, bavadez, vous êtes fâché, vous êtes fâché, vous êtes fâché. Vous vous fâchez pour rien. Vous vous fâchez pour rien du tout. Voilà. Si c'est la vérité, vous n'avez pas entendu, j'ai toujours la dit. À la rigueur, vous ne regardez plus mes vidéos. Mais vous venez toujours regarder et puis commenter pour m'insulter. Aïe. C'est sorcellerie, mais c'est quoi? Hein, famille? Voilà. Bon, je pense que j'ai assez dit. Et je sais que vous m'avez compris. Vous vous êtes gamé, mais vous comprenez. Vous comprenez très vite même. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'ai une très bonne info pour vous sur Serge Beno. Oui. J'ai une très très bonne info sur vous, Serge Beno. Donc, soyez branchés. Je vais publier la vidéo à n'importe quel moment de la journée. Ciao, ciao. Et puis big up à tous les Chinois. C'est irritant. Moi, je n'ai pas encore dormi. Et c'est que beaucoup viennent de se réveiller. Merci, merci pour les félicitations. C'était pour vous dire que... C'était pour vous dire que je m'en vais dormir. Et vous dire merci. D'être venu. Il ne suffit pas d'acheter les CD de l'album, mais de télécharger sur Internet et d'écouter sur Internet beaucoup de fois. C'est ça qui va donner le Dix d'or. Il ne suffit pas d'acheter le CD, mais il suffit de beaucoup écouter l'album sur Deezer, Spotify, iTunes. Parce qu'en ce moment, on est un peu descendu sur iTunes. Sur iTunes. Parce que comme on dit que CD est sorti, tout le monde s'en paye CD. Attends, c'est pas ça. Faut écouter sur Internet. iTunes, faut acheter. Deezer, Spotify, faut aller écouter. Dans vos téléphones. Merci d'être venu là. C'est pas bon. Hein.
Tignéné, man. Yo,